L'émotion était à son comble ce vendredi 27 septembre à Bingrir. C'est le dernier jour d'une compétition internationale qui a réuni plus de 1000 étudiants venus des quatre coins de la planète. Il s'agit du Solaire Décathlon Africa, la plus grande compétition étudiantine en Afrique, organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI par l'Université Mohamed VI Polytechnique et l'Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergie Nouvelle IRESEN, avec le soutien du ministère de l'Énergie, des Mines et du Développement Durable. Bingrir, ville tranquille de la province de Rahamna, a vécu pendant plusieurs semaines au rythme d'un chantier démesuré au niveau de la ville verte. Pendant trois semaines, 18 équipes universitaires pluridisciplinaires représentant plus de 54 universités à travers le monde se sont donné rendez-vous au sein de la plateforme de recherche Grün & Smart Building Park pour prendre part à une aventure humaine, scientifique et pédagogique. L'enjeu était de taille. Les étudiants ont construit en un temps record, seulement trois semaines, des maisonnettes intelligentes fonctionnant uniquement à l'énergie solaire. Après un travail acharné, les étudiants n'avaient qu'une seule envie, avoir les résultats du concours. A noter que le jury des professionnels a évalué les maisonnettes selon 10 critères Décathlon. C'est donc ce vendredi que le nom des heureux gagnants a été dévoilé. Donc on est vraiment fiers d'avoir organisé aujourd'hui la cérémonie de clôture du Solaire Décathlon, la plus grande compétition étudiantine pour la construction de maisons écologiques qui fonctionnent au solaire. Un événement qu'on a organisé conjointement avec l'Université Mohamed VI Polytechnique, avec IRESEN. Et puis on a vu les fruits, le résultat de l'intelligence collective. Donc les équipes étaient multidisciplinaires, multinationalités, et elles ont réalisé de superbes maisonnettes en intégrant beaucoup d'innovations, des solutions ancestrales qui ont été rénovées. Il y a des maisons qui sont climatisées grâce à la technique des khabiats. Il y a des maisonnettes qui traitent également aussi l'eau. Il y a des maisonnettes qui ont utilisé la terre ou des fibres naturelles pour isoler les murs. Donc vraiment, c'est un village solaire qu'il faut venir visiter. Et on est très, très fiers de voir ce que nos jeunes peuvent faire. Ils ont tout réalisé en trois semaines. Ils se sont très bien préparés. Pendant plus d'un an, ils ont réalisé, construit ces maisonnettes en trois semaines. Et donc, on a trois équipes gagnantes. Le premier prix a été remporté par l'équipe Interhouse, formée par les étudiants de l'École nationale d'architecture de Marrakech, l'Université Qadir Ayed de Marrakech, ainsi que l'École des mines de Colorado des États-Unis. Le deuxième prix a été décerné à l'équipe Beit Ahdar pour le projet réalisé par les étudiants de l'Université Sultan Moulay Slimane de Bni Mellal et l'Université Cheikh Anta Diop du Sénégal. Quant au troisième prix, il est revenu à une équipe 100% marocaine, Solar Ussian, de l'Université Moulay Ismail de Meknès. Vu la qualité des réalisations, le jury a décidé de rajouter un quatrième prix remporté par une équipe marocaine Neopetra de l'École nationale de l'architecture de Casablanca, de l'Université Mohamed VI Polytechnique et de l'École Hassania des travaux publics. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de voir la scène de clôture du Solaire Décathlon Africa 2019. Un Solaire Décathlon qui a tardé à atterrir sur notre continent. Il fera bientôt 17 ans avant qu'il vienne ici sur nos terres. Mais c'est une bonne chose, c'est une occasion idoine déjà pour dégager les potentialités qui travaillent sur ce secteur-là. Un secteur de bâtiment qui consomme chez nous à peu près plus de 30% de la facture énergétique et qu'il est temps d'y travailler avec la recherche et l'innovation pour qu'on puisse trouver des solutions capables de réduire cette facture énergétique. Un deuxième point, c'est que c'est un secteur d'efficacité énergétique qui repose beaucoup plus sur l'innovation, la recherche, ça veut dire la matière grise de nos étudiants qui est en abondance. En abondance, oui, mais il faut encore davantage d'encadrement, d'appui et des émotions pour qu'on puisse arriver à des solutions. Il n'y a pas de contraintes pour qu'on puisse pénétrer ce secteur-là. Toutes les solutions, ce sont des solutions adaptées et qui peuvent être déclinées localement et industrialisées, bien évidemment. Nous étions très heureux de voir ces jeunes, pleins d'enthousiasme, pleins d'idées, pleins aussi de volonté de créer quelque chose. C'est l'espoir du royaume, mais c'est aussi l'espoir d'un tout un continent qui espère être à la hauteur. Créé à l'initiative du département de l'énergie américain, le Solaire Décathlon est une compétition biennale internationale d'architecture, de dessin, d'urbanisme et d'ingénierie ouverte à des équipes universitaires pluridisciplinaires. Après 17 ans, le Solaire Décathlon a enfin atterri en Afrique où les étudiants africains ont pu démontrer leurs compétences et leur niveau d'innovation.
La cérémonie de remise des prix a été marquée par la présence de Chris Fall, secrétaire adjoint et directeur du Bureau des sciences au département américain de l'énergie, de David Green, chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Maroc, et Richard King, fondateur du Solaire Decathlon et conseiller senior du Solaire Decathlon Africa. Je suis tellement fier de voir la réussite de cet événement, le Solaire Decathlon, le premier Solaire Decathlon en Afrique. C'est pour les étudiants une occasion de découvrir, de savoir comment ils peuvent transformer leurs études dans les choses pratiques qui nous bénéficient dans notre vie quotidienne. Et cet événement, c'est après 17 années depuis la première Solaire Decathlon en 2002, s'est déroulé pour la première fois au Maroc et nous sommes très fiers d'être une petite partie de cette. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.